Zombie apocalypse. Donc Saint-Corbe, il faut qu'on retrouve aussi. On va faire le point un peu sur les quêtes en se mettant un peu à l'abri. Là, on est chez des ennemis là. Hop. Alors, les objectifs. Lors de drôle, pour l'instant, on l'a pas. On a le collier. Par contre, explore le point culminant décrit par Brenir. Ça, ça peut être voilà, intéressant. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Le procès du guerrier. Explore la grotte d'initiation des croqueurs. On peut le faire aussi. Présente-toi le cadeau. Voilà, c'est ça là qu'on va le faire. Hop, ça j'enlève, on le fera après. La recherche, et ça on le fait aussi. J'enlève le reste, on a le collier maintenant. Donc, alors, présente-toi le cadeau de collier de perles à l'un des gobeldieux. Mais les gobeldieux sont pas liés à nous. Les gobeldieux, je crois que c'est dindons. C'est par là, bah, j'ai des king points partout. Tout est cool. Attends, c'est le renard. On va se faire tabasser. Gobeldieu. Je sens que Gobeldieu, c'est vraiment pas nos potes. Hein. Ni là d'ailleurs. On est chez les crapauds. Voilà, je peux plus tourner ma caméra, c'est assez. C'est avec qui qu'on est hostile maintenant? C'est avec eux. Donc on va leur donner. Qu'est-ce qu'ils aiment? Les œufs, le fer, les baies. Rien que j'ai en fait quoi. Du verre poli. On va leur donner ça. Ça. Qu'est-ce qu'ils aiment pas surtout? Ça c'est quoi? De la carcelle? Je crois qu'ils s'en foutent un petit peu. Ah, comme ça on les a neutres. Un peu plus tranquille. Voilà. Hop. Oui, oui. Non, mais nous, on est copains, on est alliés même. Voilà. Ok, tout va bien. Je ne me ferai pas bouffer ce coup-ci. Donc ça, on est assez... on a rectifié notre tir. Hein. On ne se fera pas bouffer. Donc, on se rapproche de l'objectif. Faire attention aussi aux orbes. Hein. Ah, ça y est, c'est revenu ma manette. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire ici? On l'a pas lu. C'est une marque étrange. Ce territoire est sacré pour notre espèce. Nous espérons. On l'a vu tout à l'heure, mais pour les. Voilà, il nous attaque plus maintenant. On est tranquillou. Ok. Bien sûr qu'on va pas les aider 150 ans non plus. Il nous aime bien de loin, hein. Mais c'est pas du tout là qu'on doit aller. Ah, ça se bat, ça se bat. Voilà, comme ça, je peux ramasser le brevet. Allez-y, tuez-vous entre vous. Voilà, tuez les dindons. Oh. Si je fais ça, je vais me faire... Après tout, je vais pas me prendre un dégât, je vais les laisser s'entretuer eux-mêmes. Voilà. Et je vais essayer de ramasser le brevet de ramasseur.
Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut ramasser ici? Brevet de marchand. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer de tout prendre. Maintenant qu'on a un grand sac à dos. Hop là. Pierre de lune. Je suis full. C'est une blague. L'essence de Gobbledew. Bon, on s'en fout. Donc, on n'est pas trop mal. Hein. Bon, c'est derrière. Hein. Je pars d'un mauvais sens. Mais j'avais fait demi-tour pour justement... Alors là, par contre, je crois qu'on a moitié chez les dindons, à moitié chez les renards. Mais ils nous connaissent à peine. Non. On n'a plus de gros super salut. Alors là, par contre, il y a un dindon qui nous aimera pas du tout. On va, ce qu'on va faire, on va... Et renard, excusez-moi, on n'est pas très copains, on s'aime pas beaucoup. On est juste connaissance. Mais vous avez un dindon qui... Allez, viens, tu vas te faire tuer comme ça. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre qu'ils vont se friter. Voilà. Alors, toi tout seul, par contre, je suis pas sûre, mais... On essaie d'attaquer par derrière le dindon pour aider un petit peu le... Merde, raté. Je suis dans les fesses du dindon. Aïe, ça m'a fait mal. Hein. Ah oui, là, ils ont appelé au secours, donc ils vont se débrouiller tous les trois. Hop. C'est après moi qu'elle en a. Hein. La dinde. Hein. Bon, elle n'aura plus après personne, je crois. Hop. Alors. Je voudrais le brevet. Voilà. Et après, on voit ce qu'on peut prendre. Insulte écrit. Oh, on ne manquerait plus qu'on insulte dans ce jeu maintenant. C'est pas ça que je veux. Alors, au niveau des idées. Donc c'est pas le plan d'efficacité. Connaissance de la préservation, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est celui-là qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Donc, il nous fera encore un brevet de marchand. Hop. Voilà, pour qu'on aille tout droit. Je voudrais quand même qu'il soigne mon petit... Voilà. Il veut plus. Voilà. Donc, on a réussi un petit peu à endormir les dindons. Ils se battent encore là-bas. Mais c'est très bien. Il me faut des trucs de marchand, de machin. Des trucs. C'est très bien. Faites la fête aux dindons. Moi, je passe à faire. Hop. L'argile. Voilà, tuer les dindons. On était tout seul, hein. Je tape, je regarde, maintenant que je l'ai tapé, il va pas aimer du tout. Voilà. Bon, j'espère que je vais pouvoir ramasser. Pas quand c'est moi qui lui tape les fesses. Hein.
de l'argile. Ah, au secours. Où c'est que vous êtes, les copains? Les copains, il y a deux dindons qui veulent ma peau, là. Pourriez m'aider, s'il vous plaît? Ce serait sympa de votre part, parce qu'en fait, il faut que j'aille de l'autre côté. Pas du tout de celui-ci. Allô, s'il te plaît. S'il vous plaît, derrière moi. Non, ils veulent pas m'aider. Ils sont pas sympas. Bon. Au niveau des... Il faut que vraiment ils mangent, parce que là... ça m'a quand même pas mal agrandi le... l'inventaire, cette affaire. Ah ben non, laisse-moi manger. Je récupère. Hop, on se bat. Les dindons sont violents. Mais je vais pas du tout dans le sens où il faudrait que j'aille. Mais elle est où Ah oui, elle est là. On est toujours amis avec les... Non, pas du tout. Je vais me retrouver avec tout le monde sur le dos. On se barre. Si je pouvais les attirer pour qu'ils s'entretuent tous. Ouh, mais elle court vite, la dinde. Ah. Qui du renard ou de la dinde va survivre? J'ai l'idée de pauvre, je pense qu'il est petit. Il est tout seul. Hein. Oula. Ouais, je crois qu'il va y rester. Hein, le... Je veux pas dire, mais... Je l'ai raté. Ah, puis il y en a un autre deuxième qui est arrivé. Ah, ça va, je l'ai eu. Ouais. Par contre, sa copine m'a vu. Elle n'a pas l'air très contente. Ah, va-t'en. Allez, renard, s'il vous plaît. Merci. Ah, mais non, mais ils m'aident pas, ces méchants là. Hé, hey. Il y a un dindon. Remarquez les crapauds. Ah, mais ils sont amis les crapauds. C'est pas possible, ça sera mis avec moi sinon. Alors pourquoi elle attaque les crapauds? Pourquoi elle m'attaque? Puisque je suis amie avec les crapauds, moi. Ah voilà, ils ne sont pas du tout amis. Je me disais, il y aurait un problème. Sinon, du sens... Dans le sens où je suis alliée avec les crapauds, il n'y a pas de... Normalement, elle doit se faire attirer pareil. Ah, les copains, c'est moi qu'elle veut. Hein. Ben voilà, t'as qu'à pas m'embêter. Merci. Alors, est-ce que j'ai la possibilité? Je suis un petit peu en terrain où il faudrait pas trop que je m'amuse à rester là, en fait. Alors, au niveau des idées... Traité de paix, non.
Il me manque encore un brevet de ramasseur. Déjà. Et Gumbledure, on n'est pas amis avec quoi, ça le problème où ça? Aller donner au chef un collier avec qui on n'est pas amis. Il va vouloir ma peau. 20h43, je n'avais plus rien vu l'heure. Non, c'est moi. Ça va pas passer cette affaire. J'ai un truc qui me dit que ça va pas du tout passer. Il y a eu un bruit de... assez spécial. Oh! Faut que j'aille parler là-bas, dans un village ennemi, au roi. D'accord. Qui n'est pas là? Ah! Oui, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il n'est pas là, hein, leur chef, là, qui je devrais... Bonjour, je suis pas méchante. Le roi n'est pas là. Présente-toi, le cas de collier de perles à l'un des chefs Gobeldieu. Oui, mais il n'est pas là, le chef. Peut-être faudrait-il que je sois un petit peu pote avec eux. Je sais pas trop là. Que je prenne ça. Allez, une énigme. J'en ai une autre ici. Pas l'air de faire grand chose, mon affaire. On va regarder si autre chose. Ah, peut-être. Non. De l'autre côté, alors. Il doit y en avoir un d'un côté. On va essayer de prendre celui-là. À moins qu'il y ait une troisième qui traîne par là. Ah, bah, il y a une orbe en tout cas. Je ne peux pas la prendre tant que j'ai le truc dans la main. Si on fait... Non. Bon. Non. Si... Non. Test. On va aller chercher notre orbe déjà. Donc on a la lune. Et si je le mets de l'autre côté. Hop. Non.
Non. Donc. Mais il y en a un autre en haut, en fait, je crois. Avoir 4 à mon avis. Voilà. Et je vois pas du tout le quatrième. Est-ce que c'est les quatre à la fois? Non. On a pourtant les quatre qui sont plantés. On a la lune, le soleil et de l'autre côté, la lune et le soleil. Donc on va faire deux soleils. Voilà. Il y a quatre possibilités là. Une. Non. Alors. Soleil. Et là, j'ai mis soleil. Je mets soleil, lune. Non plus. Et les quatre, ça marche pas. Alors, c'est plutôt le soleil chez eux, mais... Est-ce qu'il y aurait un truc que je vois pas? C'est fort possible. J'ai rien qui m'aide. Absolument pas. Peut-être parce que je suis pas amie avec eux. Si je vais là-haut...
En fait, il y a quoi là-dedans? Parce que il y a un coffre, donc il y a du stuff dedans. Un stuff là-dedans. Bon. Le soleil. J'ai fait pourtant les deux soleils. Alors, si j'enlève celui-là, rien qui se passe. Alors, le dessin, c'est un soleil. Il y a des motifs. Et c'est assez spécial. Plein soleil. Je crois que je vais avoir tout essayé. Hein. Non. On va essayer un par un, mais. Alors. Ça marche pas. De toute façon, il y en a quatre. C'est ça que je n'arrive pas à capter. Bon, alors, toi. Si je mets la lune toute seule. Non. Les énigmes sont quand même sacrément corsées. Prends-toi. Non. Il y a peut-être un ordre. Je sais pas du tout. Je fais un petit peu du pif. Je peux pas monter là-haut. Donc j'ai rien qui m'aide. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un shake point là-dessus. Je suis là. Est-ce que je peux placer un marqueur? À peu près, mettre à côté. J'ai beaucoup de shake points un petit peu partout. Ça là, je le garde. Là, je vais l'enlever. Et je vais le mettre ici. Est-ce que je peux? Ouais. Comme ça, je saurais que là, il y a un point d'intérêt où il faut que je revienne. Hein, parce que là, je vois pas du tout pour l'énigme. Donc, nous, il faut qu'on parle à un chef qui n'est pas là. C'est quand même affolant. Est-ce qu'il est là?
Je pense qu'il faut être ami avec eux pour pouvoir aller parler au chef, hein. Bon. On reviendra là un petit peu plus tard. J'entends quelqu'un marcher. C'est les renards. Est-ce que si j'essaye d'être amie avec eux, ça va fonctionner? Est-ce que j'aurai le roi? Sinon, je vais mettre qui à dos? Le problème étant là. Alors, ils aiment le grès, le nuctus, l'argile et le poivre. Pierre de Dieu, là. Grès. Ça monte vraiment pas vite, hein. On va mettre des os. Ça. Qu'est-ce qu'ils aiment pas en fait? Les os. Et là, on a mis 6. Pourtant, ça monte. Le grès. L'argile. Ils aiment bien. On est toujours hostile. Non, on va plus être hostile avec eux. Ouais, on est neutre. Par contre, on est redevenu hostile avec les renards. Pas top ça. Alors, maintenant, normalement, on devrait pouvoir aller chez les dindons sans se faire fracasser. On devrait pouvoir parler au roi, je pense. On jongle comme ça avec tout le monde. Voilà, le roi apparaît en fait quand on est ami avec eux. Hein. Alors. Et je peux pas interagir avec toi, pourquoi ça? Non, je vais pas taper, je vais interagir. Pourquoi tu veux pas? L'un des chefs gobble-dieu. Je passe ami avec toi? Pourtant. J'ai fait le collier pourtant. On l'a le collier. C'est censé impressionner le sang royal. Hein. Non, on va enlever celui-là. Alors, les gobe-dieux sont des êtres fiers et discrets, qui ne parlent à personne et qui travaillent encore moins avec eux. Pour rassembler les informations qu'ils pourraient avoir sur la gaffe, tu devras les aborder comme quelqu'un d'important. Personne n'a jusqu'à présent réussi à leur faire partager leurs connaissances concernant l'histoire de la gaffe.
Cette partie semble être la pièce manquante. Présente-toi le cadeau de collier de perles à un chef des Gobeldu. Ben, je l'ai le collier de perles. Il est là. Pourquoi tu ne veux pas me parler, toi? Je peux absolument pas. Est-ce qu'il faut que je... Non, je peux pas le mettre dans l'équipement de toute façon. Les idées, on l'a bien. Donc on l'a où? On l'a en possession. Alors là, peut-être qu'il faut monter un peu plus, je ne sais pas du tout. C'est un peu bizarre que je puisse pas interagir ici. J'allais voir le vendeur. Allez savoir. Si tu recherches de bonnes marchandises, tu es au bon endroit. Alors, on est neutre avec eux. Hein. L'argile, le grès de sable, ça se complique, hein. Ils aiment pas ça, ils aiment un plan élaboré pour une utilisation des matériaux et l'âge en possession de cette technologie pour devenir une armure plus solide. Je te les change contre... Je ne sais rien. Contre ça, c'est même pas assez. Prendre la cuisse, à peu près équilibrée, on va dire. Je n'échange qu'avec des amis. Voilà, on n'est pas amis avec eux, en fait, encore. Ah. On est juste neutre. Donc va falloir leur donner un peu plus de ressources. En tout cas, ils ne nous attaquent plus si j'ai ça. Par contre, on est... non, c'est bon, on n'est pas peur. On n'est plus amis du tout avec les renards, alors. Mes aventures de l'affaire, c'est ça. D'autant plus que je ne sais pas si exactement on est neutre, on n'est pas amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner ça. On va leur donner... Chenouille, du bois, ça,
toujours neutre. Garde du, ils aiment pas ça. Le cuir. On voit que ça monte, mais on n'est pas amis. Hein. Je sais plus trop quoi leur donner du coup. On va échanger. Toujours neutre. Alors, le bois ne fait pas monter, le cuir fait monter, ça ne fait pas monter. Alors, le grès du nuctus, mais j'en ai plus. L'argile sèche, j'en ai plus. Un traité de paix. Voilà. Par contre, on se pourrit la vie avec tout le monde, hein, là. Hop. Bah, est-ce que là, ça a marché? Parce que j'ai pas envie de me pourrir la vie pour rien. Alors, il me dit rien. Non, je peux absolument pas interagir avec lui. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais. Non, je peux pas interagir avec lui, c'est fou. Hein. Donc, il y a un truc que je dois mal faire. Présente-toi avec le cadeau de collier de perles à l'un des chefs de Gobeldium. Mais je l'ai, le collier de perles. Hein. Je l'ai pas là-dedans. Franchement, je peux rien faire. Bon, on verra ça, je crois, dans le prochain épisode. Enfin, prochain live sur Pin. Parce qu'il faut que je l'ai. Pourtant, je l'ai sur moi. Je comprends pas vraiment. J'aurais donné un traité en plus. C'est une marque étrange, territoire sacré. Nanana, nanana. Ok. Là, ça nous dit de quoi ils ont besoin. D'aliments, de matériaux. Et pourquoi je ne peux pas lui parler? C'est la question. C'est la question. Je ne sais pas du tout là. Je me suis vraiment mis tout le monde à dos là. Alors qu'on est alliés. Hein. Maintenant je suis hostile avec tout le monde. Neutre avec les crapauds. Par contre on s'est remis les renards à dos. D'efficacité. Traité de paix, je leur ai donné un. Franchement, là, je comprends pas. Je comprends pas, on a bien le collier, on l'a fait. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Et je garde ma possession, mais où?
là. Épingler l'objet. Est-ce que du fait que je l'ai épinglé, ça va faire quelque chose? On va voir. Je sais pas. Je pense pas. Mais bon, on va tester. Épingler l'objet. Peut-être parce que je l'avais pas épinglé. Il me fait des roulades. Hein. Là, je vais pouvoir lui parler, je sais pas du tout. Là, franchement, non, je ne peux absolument pas lui parler, même avec le truc épinglé. C'est fou ça. Et je l'ai déjà, sale truc. Des épinglés. Enlever des favoris. Je vois pas du tout là. Franchement, il est. Je l'ai en possession. Mais ouf. Et je peux pas lui parler. C'est. Non, je vois pas du tout. Bon, on va rester là. Et puis, on verra pour la suite des événements. Je trouverai sûrement d'ici là pourquoi je n'arrive pas à parler. Au roi alors que j'ai tout en ma possession. Je ne sais pas du tout. Même au clavier. Voilà, je fous un coup d'électricité. Non, là, je sais pas du tout. Bon, on va en rester là. Je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye bye.